Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo quiz. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu et aujourd'hui on va faire un quiz, eh bien, IRL, enfin sur le thème de l'IRL, sur Topito. Le quiz est sorti en février 2020, donc c'était pendant. Non, c'était pas encore le confinement, je crois que c'était le tout début encore, j'ai un doute. Sur quel type de lycéen nous sommes. Alors, bon, le lycée, ça fait déjà 2 ans, presque 3 ans que je l'ai quitté, donc je vais faire avec les. Ce que j'avais à l'époque. Donc question 1, dans la classe où est-ce que tu me places? Au premier rang pour rien rater, tout au fond pour tout rater. Là où il y a de la place parce que je suis arrivé en retard, ou allongé dans l'allée pour dormir. Alors, j'aurais mis personnellement le milieu. À peu près le milieu. Mais ce qui se rapprocherait le plus, ça serait le premier rang. Comment je révisais les fiches? Non. Absolument pas, je détestais les fiches, j'en ai jamais fait. Je relis mes cours tout en côtoyant les textos, ouais. Je mis sur un chapitre et vivais au talent. Tu poses ton livre sur un visage inspirant l'apprentissage par télépathie. Alors à l'époque où je révisais, je relisais mes cours. Donc on va utiliser cette méthode. Comment te rends-tu en cours? Tu prends le ramassage scolaire? Non, pas le bus, le vélo encore moins. Ta maman te conduit ou tu conduis ta bagnole. Il n'y a pas à pied en fait. Donc ce qui se rapprocherait le plus, ce serait ça. Et encore. Parce que moi le lycée, j'étais littéralement derrière chez moi. Enfin, par rapport au lycée. J'habite derrière mon lycée. Donc j'y allais à pied. En sport. Quel sport choisis-tu en EPS? Basket? Non. Foot? Non. Bad? Pourquoi pas. Bowling? Dommage qu'il n'y avait pas. Donc badminton. Le milieu au self? Bah je ne mangeais pas aux self tout simplement. Je prends quoi? De la macédoine? C'est pas ouf mais j'aime bien. Du poisson c'est bien pour le corps. Tu ramènes ta propre bouffe ou des frites? C'est bon tout court. Des frites. Ou je ramènerai ma propre bouffe. La salade de macédoine, j'en ai jamais mangé mais ça a l'air bon. Les poissons j'aime pas ça. Si quelqu'un essaie de tricher sur toi en dehors, surveille, tu fais quoi? J'écris une barrière? Non. Je le dénonce? Non plus. Tu rends ta copie pour qu'il puisse mieux lire? Ou tu ne le remarques même pas? Ça se jouerait plus entre ça et ça. Mais si c'est quelqu'un que j'aime bien ou que j'apprécie bien, c'est quelqu'un qui m'a aidé, enfin, vous avez compris ce que j'ai envie de dire, j'orienterai ma copie. Mon stylo aux 4 couleurs, volé bien pratique, le feutre fin pour griffonner, un classique pour écrire ou le stylo plume? Non, stylo plume non, le feutre fin non, le 4 couleurs bien sûr, même si le classique shit stylo bic classico classique, ça marche aussi. Mon sac vintage non, cartable non, sac de rando non, le classique parce que c'est la base, voilà tout simplement. Qu'est-ce que je fais dans un travail de groupe? Je laisse les autres faire parce que j'ai la flemme. Non. Tu fais tout de suite tout seul parce que t'as confiance en personne. Non plus. On répartit le travail, tout le monde t'écoute. Répartition du travail, oui, tout le monde m'écoute. Pas forcément, non. Tu proposes tes idées, mais t'es hors sujet. Proposition d'idées, oui, mais sinon le reste, non. Je miserai plus sur la répartition du travail et le fait que tout le monde m'écoute. Sinon, avec. Dixième question, avec qui je discute? Avec qui discutes-tu de ton projet après le bac? Ah oui, ok. Avec des inconnus dans la rue? Pas du tout. Avec tes potes? Eh bien, oui, enfin, ouais, en soi, oui. Tu n'as pas de projet après le bac? Ou après, avec le conseiller d'orientation, ton meilleur ami? Non, c'est un fils de pute. Bah, à l'époque, j'avais pas de projet. Enfin, si, j'avais un plus ou moins projet, donc j'en parlais avec mes potes, du coup. Bon. Ouais, c'était même pas un projet en soi. Tu es la star du lycée, tu es une personne cool du lycée, celle que tout le monde voudrait être ténébreux comme Edward Cullen dans Twilight, mais en un peu plus social. En cours, tu réussis pas mal parce que tu révises en cachette. Faudrait quand même pas passer pour un intello. Découvre quelles études sont faites pour toi grâce aux questions d'orientation inspirantes. Hein, blablabla. Donc, la personne cool du lycée, absolument pas. J'étais le random guy, le mec qui existe. Voilà.
Ténébreux, bah j'étais silencieux. Ouais. Sinon, bah. Mais on est un peu plus sociable. Je crois pas que le mec de Twilight soit très sociable, donc j'imagine que je suis comme lui. Je réussis pas mal parce que je révise en cachette, plus ou moins à l'époque. Faudrait quand même pas poser pour un tableau. À l'époque, c'était un petit peu le cas. Enfin, pas au lycée, mais encore avant. Sinon, bah voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un quiz. J'espère que celui-ci vous aura plu. C'est le cas, abonnement, pouce bleu, commentaire sur votre appréciation du quiz. Si j'y pense, je le mettrai en description aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc, du coup, j'espère à la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vous dis enjoy!